Vue à 6h56. Arrivée. Rue du Pavois d'Or. Vue à 7h21. Ça fait 1000 mètres carrés. Du coup, il y a plusieurs allées. Alors des fois, les clients, quand je veux fermer, je suis obligée d'appeler ou de faire des allers-retours parce que j'ai peur de laisser quelqu'un coincé. Je ne vous cache pas, franchement, que c'est le bordel. C'est le bordel. Mais les gens, ils aiment bien parce qu'ils me disent, on n'est pas à Carrefour. Après, c'est vrai que le soir, je dois nettoyer. Hein. Je fais l'aspirateur, les poussières, la serpillière. Voilà. De la digue, à l'époque, il y avait 5 ou 6 cabanes ici, 7 ou 8 pêcheurs, il y avait, qui vivaient uniquement que de la pêche à la palourde. Hein. Là, c'est fini, maintenant, il n'y a plus un pêcheur, il n'y a plus rien. Ils sont tous décédés, mais croyez-moi qu'ils ont vécu du bonheur. Hein. Là, ça va faire un mois que je suis là. Et c'est pas fini. Hein. Parce que les roseaux, ils repoussent. Je déteste mon prénom. Mes parents, ils ont donné un nom vraiment stupide. Parce que après, j'ai des racines à enlever. Hein. Des racines de roseaux, faut que je les retire. Hein. Mon surnom, c'est Marco. Il y a du boulot là, faut le faire à la pioche. Marco Polo, l'homme qui a traversé l'Atlantique. Du boulot. Moi, j'ai seulement traversé Paris-Montpellier. Eh ouais. Eh ben on va continuer. Hein.
mais pas la première pêche qui se faisait au Palou, mais la première pêche qui se faisait à l'Arcelière. Et puis c'est une pêche qui est venue derrière, qui s'est faite, hein, au début des années 1925. Voilà, c'est la pêche ancestrale, c'est la pêche ancestrale de la boîte, quoi, on appelle la pêche à la boîte. Quoi. Voilà, on est cargo. Je pêche pas, quoi. Je vous montre le travail comme il se faisait. Ça, c'était la plage, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Bonsoir. 405 378. C'est bon.